Cela ressemble à un plébiscite. Le président Félix Tshisekedi a été réélu avec plus de 70% des voix. C'est ce qu'a annoncé ce dimanche la commission électorale en RDC. Des résultats préliminaires alors que l'opposition demandait déjà un nouveau vote. Il dénonce des problèmes logistiques massifs remettant en question la validité des résultats. L'homme d'affaires, Moïse Katumbi, a obtenu quant à lui 18% des suffrages, suivi par Martin Fayulu avec 5%. Pour sa première candidature au poste suprême, le lauréat du prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege, totalise moins de 1% des voix. Au total, quelques 18 millions de Congolais se sont prononcés via les urnes. Des résultats seront envoyés à la Cour constitutionnelle pour confirmation.